Chers sentinelles, bienvenue à cette occasion, à ce moment fabuleux, merveilleux, copieux, exceptionnel, l'armée des sentinelles. Tu es membre de l'armée des sentinelles. Il n'y a pas besoin d'une position, d'avoir un titre, d'avoir une reconnaissance des gens. Sentinelle, c'est celui ou celle qui accepte et qui comprend l'utilité, la nécessité de se lever pour que dans la prière, dans l'intercession, Dieu bénisse sa vie, Dieu agisse pour sa famille, Dieu intervienne pour sa situation et que Dieu opère et manifeste sa gloire. Alors, sentinelle, tu as besoin de la foi. Tu as besoin d'avoir confiance en Dieu. C'est ta foi active. Il dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, la foi, la foi, la foi, F-O-I, F-O-I. Écoute-moi, F-O-I, fondement des œuvres inébranlables. Ça veut dire que tu es fondé dans l'œuvre inébranlable de Dieu. C'est pour ça qu'on dit F-O-I, la foi. Donc, tu as besoin de la foi pour vivre dans ta vie de sentinelle. Parce que, mes chers amis, regardez très bien. Lorsque tu as des combats chez toi, c'est qui le vit? C'est toi. Lorsque tu dors mal, c'est qui le vit? C'est pas ton mari ni ta femme, c'est toi. Lorsque tu souffres chez toi, on peut te soutenir, mais on ne prendra pas ta place. Lorsque chez toi, tu as des problèmes financiers, on va t'aider, mais on ne prendra pas ton crédit. Lorsque chez toi, écoute-moi bien, tu es persécuté, on va te soutenir, on va même t'accompagner, on va venir t'encourager. Mais la persécution, c'est toi qui la vis. Lorsque tu es dans l'épreuve, je comprends que souvent, c'est vrai, on a besoin d'être aussi, avoir des gens qui puissent nous porter. Mais ton épreuve est ton épreuve. Il arrive même que ceux qui doivent te porter dorment pendant que tu es dans l'épreuve. Ça nous rappelle le modèle type Luc chapitre 22. Sentinelle, tu comprends? La nécessité d'être une sentinelle, c'est de te lever pour que Dieu t'instruise, Dieu t'équipe, Dieu te choisisse. Parce que tu as des grands défis à relever devant toi. Des monuments de lutte, de combat énormes. Et sans la grâce et l'intervention de Dieu, tu ne tiendras pas le coup. Est-ce que tu m'entends? Sentinelle, tu as besoin d'être sentinelle. Parce que par moments, tu as tellement mal que ça va jusqu'à dans tes entrailles. Chère sentinelle, et j'aimerais que tu ouvres ta Bible. Et à l'instant qu'on comprenne une chose, Ésaïe 61. Voilà ce qui est écrit de verset 6. Il dit quoi? Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous glorifierez. Alléluia. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Alléluia. Vous aurez enfin la restauration. Vous aurez enfin le fruit de vos luttes depuis des années. En clair et dans une définition propre. Donc, vous sachiez qu'il y a un temps pour combattre, il y a un temps pour vivre le résultat, l'impact et l'exaucement de son combat. Parce qu'on ne peut pas combattre toute la vie. On ne peut pas vivre en permanence et être là et avoir l'impression que ça n'a aucune utilité d'être dans ce monde. C'est pour ça qu'en s'appuyant sur Dieu, ce qu'on vit et ce qui est une lutte pour nous, Dieu, lui, il a la solution qu'il faut. Et en tant que sentinelle, il arrive par moment que tu pries et le sujet pour lequel tu pries te concerne. Mais le plus beau, quand tu finis de prier, pendant que tu es en train de réfléchir, à attendre comment les choses vont se débloquer, tu es surpris de voir l'intervention, l'exaucement, la manifestation, la bonté. Sentinelle, je vais te dire une chose qui est très importante. Si tu t'obéis, si tu obéis à Dieu dans la mission, la provision de Dieu ne manquera jamais dans ta vie. Tu comprends? La provision de Dieu ne manquera jamais dans ta vie. Jamais. Il dit alors, oh, au lieu de, verset 7, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Ah, quand tu te lèves pour prier, quand Dieu exauce quelqu'un, je disais souvent, si moi, pasteur Marcel, je prie pour que Dieu bénisse ta vie, que Dieu remplisse ta vie, pourquoi le Dieu qui m'a utilisé à bénir ta vie ne va pas remplir ma vie?
C'est clair. Si Dieu t'utilise à exaucer quelqu'un, pourquoi ce Dieu qui a exaucé au travers de toi ne manifeste pas l'exaucement dans ta vie? C'est parce que tu n'as pas compris. C'est parce que tu es dans le doute. C'est parce que tu n'es pas encore affermi. Mais le Seigneur dit à Pierre, lorsque tu seras converti, ce n'est pas le fait de dire que je suis. Ce n'est pas le fait de dire que je suis à l'église. Ce n'est pas le fait de dire que j'ai 20 ans de conversion. Ce n'est pas le fait de dire que je suis responsable, je suis leader. Non, non, non. Une sentinelle ne se caractérise pas dans toutes ces listes bien appropriées, bien désignées de choix, de rôle ou même des tâches. La sentinelle est une mission spirituelle investie de Dieu pour la gloire et la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Wow! Lorsqu'une sentinelle passe, une sentinelle est prophétique, une sentinelle a la révélation, une sentinelle vit dans l'inspiration, une sentinelle est dans la connaissance, une sentinelle, oh my God! Il dit au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Il y a ce que vous avez reçu, que Dieu vous a donné. Il y a ce qui appartient à Dieu, que Dieu va vous utiliser à faire. Je reprends. Il y a ce que Dieu vous a donné, qui est à vous. Il y a ce que Dieu va vous utiliser à manifester au travers de son œuvre en son nom. Donc c'est une double portion. Vous avez compris que la double portion, c'est seulement le manteau? Non. La double portion, il y a ce que vous avez reçu, il y a ce que Dieu fait. Il y a ce que vous connaissez, il y a ce que Dieu va opérer avec vous. Il y a ce que vous avez l'habitude de voir, il y a ce que Dieu va agir. Alléluia! Hey, sentinelle! Double. Double pour que, quand vos réserves finissent, celle de Dieu prend le contrôle. Quand ce que vous avez est épuisé, le trésor et les ressources de Dieu sont manifestés pour vous. My God! Oh my God! Alors clique, abonné si tu ne l'as pas fait, la cloche pour être averti. Mais sentinelle, c'est fini. Hein? La vie ne sera plus jamais ce que tu connais, ce qui a été, ce qui s'est passé et ce que tu avais l'habitude de vivre. Elle sera désormais sous contrôle, dans la direction, dans la manifestation, dans l'exaucement, dans l'impact et dans l'agissement de Dieu. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu a déjà tout accompli à la croix pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, membre de l'armée de l'Éternel, dans l'armée où Dieu lui-même est l'Éternel des armées. My God, fire. Au nom de Jésus, go!